Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo qui va être très rapide puisque ça va uniquement concerner le revêtement de mon armure, celui que je porte actuellement, qui se nomme le Glowhoo. Donc je ne sais pas comment vraiment le prononcer, ce revêtement en question, donc un revêtement légendaire. Vous avez été très nombreux à me demander comment j'ai fait pour le looter, donc sur les stream, sur les vidéos, tout ça, vous me demandiez comment j'ai fait pour l'avoir. Donc voilà, ça va être une vidéo super rapide pour vous dire tout simplement comment looter ce revêtement. C'est pas vraiment compliqué, il faut simplement lancer le raid hardcore de la chute de Kropta et venir à bout du boss final, donc de Kropta, le fils d'Oryx. Et ceci, bien évidemment, donc en mode maximum, je crois que c'est le mode 33, donc le mode hardcore, comme je viens de vous le dire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce revêtement est bleu fluo, donc il est vraiment sympathique. C'est vrai que ça tape à l'œil, je le trouve plutôt cool. Après, il y a certains équipements avec lesquels ça se voit plus que d'autres. Par exemple, vous pouvez voir que Laser Bomb, apparemment, il doit l'avoir. Je pense qu'il l'a, je vais aller voir sur le personnage dans le doute, mais je pense qu'il l'a. Donc on va regarder, hop, on va faire un petit coup d'inspecter le joueur. Et on va descendre, et effectivement, il a le même revêtement. Donc comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être un peu moins fluo sur lui. En fait, tout simplement, ça dépend des armures, des équipements que vous mettez. Donc pour l'Arca, on va parler de l'Arca puisque c'est mon personnage, c'est celui que j'affectionne le plus. Il faut savoir que ce revêtement, le plastron de la cabine abyssale, permet de donner cet effet. Donc c'est vraiment, je trouve, pour avoir vu de nombreux personnages, toutes classes, toutes races confondues, tout équipement confondu, je trouve que c'est sur ce personnage que ça se voit le plus, que le revêtement ressort le plus. Donc voilà, si jamais vous êtes arcaniste, sachez que ce plastron s'appelle le plastron de la canine abyssale. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite de très belles réussites dans ce raid hardcore de Kropta. Et puis n'hésitez pas à me partager vos screens de vos différents équipements une fois que vous avez looté ce fameux shader, ce fameux revêtement d'armure, le Glowhoo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur du Destiny. Ciao ciao !